Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'épopée d'un noob et on se retrouve à nouveau sur Rainbow Six. Alors cette vidéo sera peut-être plus longue que les autres puisque je suis en classé et il faut savoir que la différence de points est plus élevée pour gagner. Alors soit on se fait un score parfait, ce qui est plutôt rare en classé, soit on se retrouvera avec une vidéo un peu plus longue que d'habitude et on se retrouve sur les... Ah, on se retrouve à Favelas. C'est une carte que je ne connais pas donc on va la découvrir. Ah, si, attendez. Il y a deux choix, soit je la connais et je la déteste parce que j'ai joué deux fois dessus et j'ai du mal à la maîtriser. Soit je ne la connais pas du tout et dans ce cas ça devient intéressant. On va voir ce que ça donne, hein. Je ne vous promets rien. Alors il me semble que le son du jeu sera meilleur que la dernière fois puisque j'ai fait un réglage. Donc on verra ce que ça donne. J'espère que vous entendrez mieux le son du jeu, j'espère que vous entendrez autant ma voix. J'espère ne pas vous ennuyer, évidemment. Je vais essayer d'être un peu plus drôle que la dernière fois. Évidemment, là, on est en classé, donc c'est largement possible puisque les joueurs sont meilleurs. Et non seulement les joueurs sont meilleurs, mais en plus, certains sont très drôles dans ce qu'ils font. Et j'essaie de pas rager aussi. Ça serait bien. Allez, c'est parti. On va essayer de localiser les objectifs et les ennemis. Ah bah voilà. Ah, je suis mort. Donc là, en fait, on a une vue sur les drones des autres. On a Anna Messan qui ne bouge pas son cul, qui pourtant a pris fuse. Et il y a un ballon qui roule. Ah, voilà, donc on a trouvé l'objectif. Et je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, il me semble que je ne connais pas cette carte. En même temps, elle est arrivée avec le nouveau pack de... Elle a dû arriver avec le nouveau pack de personnages, et ça fait longtemps que je n'ai pas joué, comme dit, donc c'est possible que je ne sois pas tombé dessus. On verra bien. Mais du coup, je pense que je me suis trompé, ça doit pas être une milice africaine. Si on est dans les favelas, ça doit être une milice sud-africaine. Sud-africaine, sud-américaine, pardon. Et oh putain de merde, où sommes-nous? Ouais, je vais essayer de passer par au-dessus, donc je vais tout de suite me protéger. Moi, ce que je vois, y a personne, c'est déjà ça. On va pas prendre de risque, hein, même si on voit personne. Mieux vaut y aller doucement, mais sûrement, quoi. Ça sert à rien d'aller se jeter dans la gueule du loup pour mourir. Surtout qu'en classé, les personnes sont meilleures. C'est pour ça qu'ils ragent moins et tout. C'est parce qu'ils sont un peu plus forts. Et ils savent jouer. Et je viens d'être repéré par une caméra. Sauf que j'ai pas vraiment le temps de regarder où est la caméra et ni comment la niquer. Donc. Ok. Je vais voir où est la caméra du coup. Est-ce qu'elle est là-haut? Ça doit être ça là. Rien à voir. Ça, c'est une lumière. Et je ne peux pas la briser. Alors, où vas-tu? D'accord, tu vas là. Vas-y, hein, go. Je te laisse foncer. Moi je protège derrière. Ah le fuse! Ah c'est pas mal ça, Anna Messan, c'est bien joué. Ouh! Le pire c'est qu'il se fait un petit kill joli quoi. Non, non, commencez pas! Reprenez la sécurisation du conteneur, soit la menace en... Ouais, j'ai ouvert par ici pour éviter de. Pour éviter de se retrouver en PLS quoi après. Ok, j'en ai eu un, c'est bien. Il en reste un, et là actuellement nous sommes en train de sécuriser, donc on peut soit sécuriser, soit tuer le dernier. Mais il faudra d'abord le trouver pour ça. Où c'est que ça détruit? Ça détruit ici? D'accord. Il me semble que l'autre doit être là-bas, hein, je pense, mais Bravo. Le conteneur radioactif. Et ben voilà, c'est une première manche remportée, c'est pas mal. Et il y en a déjà qui votent pour exclure Anna Messan, moi je refuse. C'est parce que, à mon avis, il était AFK au début de la partie avec son drone, c'est pour ça, à mon avis, qu'il s'amuse à le dégager. Alors là, je vais prendre quoi? Ben, en fait, j'attends de voir ce que les autres prennent pour éviter de leur prendre quelque chose qui pourrait leur être utile. Ah, je vois, ils ont laissé Doc, Rook et. On va prendre Rook alors. On va prendre Rook. On va la jouer à la. Allez, pourquoi pas. On peut la jouer au fusil à pompe. On va voir ce que ça donne. Et bon, on va suivre ce que les autres nous disent. Alors, le choix du lieu, comme vous le voyez là-dessus par exemple, c'est uniquement en classé. Hein. En normal, on se fait spawner n'importe où. Ici on peut choisir où on spawn, évidemment je vous conseille de faire comme ça, c'est-à-dire ne pas spawner toute l'équipe au même endroit quand vous êtes en attaque. Puisque si on n'est pas loin de l'objectif, quelqu'un qui spawn kill, il vous tue d'un coup quoi. C'est pour ça que moi j'essaye toujours d'aller le plus loin possible des autres pour éviter de me faire flinguer. Par contre les gigas, on va peut-être poser les gilets et vous allez pouvoir les prendre, ça pourrait être pas mal. Alors oui non, ils ne m'entendent pas, hein. Ce n'est pas mon pseudo qui s'affiche depuis tout à l'heure avec le micro. C'est justement pour ça qu'il y avait quelques problèmes audio la dernière fois. C'est puisque je me mets en partie afin de pouvoir faire la vidéo sans que les autres m'entendent. Et j'avais oublié de régler le fait
Ouais, j'avais oublié de régler, histoire que vous entendiez autant le jeu que la partie. Parce que quand il n'y a personne dans la partie, ça vous sert à rien d'entendre la partie. Et en l'occurrence, je viens de le régler, j'ai pas pensé, je l'ai remarqué en visionnant moi-même la vidéo, donc voilà. Et donc normalement le son est meilleur. J'espère juste qu'il n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Et pourquoi je ne peux pas passer par là? Ah, d'accord. Oui, comme dit, je ne connais absolument pas cette carte, donc je ne peux pas dire je vais rusher ici, 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 puisque ça conduirait à ma mort. Donc je vais faire très gaffe où je vais. J'essaie de mettre le plus loin possible de mes objectifs, même si en sécurisation c'est pas conseillé. Mais voilà, autant se mettre loin et essayer de les viser comme ça. Puisque je ne pense pas qu'ils viendront par en haut. Ça serait très bête. Ah, ce que vous voyez là, ce sont d'autres caméras que le Valkyrie permet, que le Valkyrie lance. Donc là, on a des alliés. Voilà, que le Valkyrie lance, qui lance un peu partout. Et donc on a les caméras habituelles. Donc là, ce que vous voyez au-dessus, les points blancs, c'est les caméras habituelles, celles que je suis en train de sonner. Et les bleus, c'est les trois du Valkyrie, qu'il n'est pas obligé de lancer d'affilée. Hein, mais ah, là, on a deux ennemis qui arrivent. Et tout le monde arrive par en bas. C'est bien ce que je disais avant. Ici encore, ça arrive par les escaliers. Donc moi, je vais essayer de descendre. Les flinguer quoi, hein, comme je le fais d'habitude. Mais d'habitude je connais mon chemin aussi, hein. Ça aide. Ah, j'en ai eu qu'un, fâché. Oula. Ah, bah il est mort. Celui que j'avais essayé de tuer, il est mort. J'en ai vu un. Je suis sûr qu'il y en a un, je l'ai vu. Faut arrêter de te foutre de ma gueule. Merde, il m'a enculé. Fais chier. Bon, c'est pas grave, j'ai au moins réussi à en tuer deux juste avant. Enfin, un plutôt, et un m'a aidé, mais bon, ça me fait chier parce que celui-là, il aurait pu mourir facilement. J'étais en train de lancer une grenade et il a réapparu au mauvais moment. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Je vais peut-être utiliser les caméras pour leur notifier du tout. Putain, lui, il me fait chier. Il utilise la caméra, il l'utilise pas. Il est sur la caméra, donc je ne peux pas la tourner et il l'utilise pas. C'est lui qu'il fallait virer, hein, pas l'autre d'avant. Hein. Croyez-moi. Est-ce qu'il y a encore... Je pense pas qu'il y a encore quelqu'un dehors. Plus qu'un homme fort. Ah, finalement il est possible qu'on se retrouve. Ah oui, pourquoi plus d'un effort, il y en a un qui a quitté, qui a été exclu, pardon. Donc oui, il est possible qu'en fait on fasse une partie parfaite, hein. Donc la vidéo serait pas aussi longue que je l'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Eh, Anamesan n'est pas mauvais, hein. Je viens de regarder ce qu'il a fait et pour l'instant je crois qu'il est à 4 kills pour 0 mort, hein. Oui, c'est exactement ça, 4 kills pour 0 mort, hein. Donc je pense que c'est lui qui avait buté il a buté la personne que j'avais blessée tout à l'heure. Ah, pourquoi pas, je peux vite fait personnaliser si j'ai vite fait le temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Il me reste combien de temps? Il me reste 10 secondes. Je peux vite regarder les viseurs, voyons voir ce qu'on a. On a réflexe holographique, on va garder holographique, voilà. Modifier celui-là peut-être le petit... Non, il nous reste 4 secondes, laisse tomber, on avance. Allez, go. Ah, et puis il attend. Oui, mes armes sont déjà personnalisées, donc je n'ai pas forcément besoin de le faire. Peut-être qu'un jour je personnaliserai devant vous en cas où j'ai besoin de changer quelque chose sur une arme ou quelque chose. Peut-être si j'ai un nouveau personnage un de ces jours, même si ça coûte à peu près 25 000 points Rainbow et que je n'en ai que 1700 pour l'instant. Quoique je pourrais acheter un personnage encore qui n'a rien à voir avec les nouveaux, hein. Je pourrais acheter un personnage de base, hein, puisque je ne les ai pas encore tous. Mais actuellement je n'ai pas besoin de grand chose, donc je pense que je vais attendre pour avoir le Frost, qui était... l'un des premiers personnages secondaires, j'allais dire, non? Achable. Oui, je cherche comment rentrer dans le bâtiment puisque je n'en sais rien. Actuellement, je ne connais pas cette carte, j'ai déjà dit. Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, Frost m'intéresse beaucoup depuis le début, même si j'ai pris Blackbird depuis. Je vais voir, je vais peut-être économiser un peu. Ah, qu'est-ce que c'est que ces... Si vous regardez bien au-dessus de mon arme, il y a deux panneaux blancs, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Enfin, ça m'intéresse et en même temps ça me fait peur parce que je ne sais pas ce que c'est et ça doit venir de la mise à jour, j'imagine, hein, comme toujours. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce que ça signifie? Mystère et boule de gomme. Donc, si l'un de vous peut m'orienter sur l'utilité de cette chose, je ne serais pas contre. Et ce que je viens de faire était totalement inutile, hein, apparemment. Alors ça commence déjà à tirer, ce qui ne me rassure pas spécialement. Alors est-ce que ça tire d'ici d'en face? Vous savez quoi? On va faire quelque chose que je ne fais jamais habituellement, mais là ça vaut mieux. On va lancer un petit drone. Voilà, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a. Oui, parce qu'on a le drone du début, on a un deuxième drone si on veut. Quand on est en attaque. Donc on va aller voir à peu près où s'il y a des ennemis près d'ici. À mon avis, ils sont pas loin de là. Et ils ne sont pas ici, donc je vais pouvoir traverser.
et foncer bah, tout droit là. Ah, ici c'est dommage que je n'ai plus mon... Faut que je recherche mon drone. Où est mon drone maintenant? Il est ici, d'accord. On va essayer d'avancer un petit peu. Voir si on peut passer par la trappe, voir ce qu'il y a quoi. Alors là on est dans la salle la même salle qu'avant, mais on va pouvoir localiser à peu près les ennemis s'il y en a. Par contre je ne les localiserai pas avec triangle, hein, sinon ils vont savoir que je les ai repérés et ça peut mettre en l'air tout mon plan. Et ça vient d'exploser pas loin de moi là, sur la terre ferme je veux dire. Donc je vais lâcher mon drone et essayer d'avancer. Oh putain mais lui il fuse à travers la trappe mais il est malade. Ouais je préfère courir parce que du coup je suis repéré. Ah bah voilà c'était rapide hein. Et oui donc là nous avons gagné 3 manches à 0 mais nous n'avons pas encore gagné effectivement puisqu'il y a minimum 4 manches. Pas d'écart évidemment mais si on veut gagner par un score à 0 ce sera 4 manches. Ah donc là nous sommes en défense et c'est peut-être la manche décisive hein. Si nous remportons encore une fois cette manche nous avons gagné. Qu'est-ce que je prends cette fois? Alors castle je ne peux pas prendre ça tombe bien. Est-ce que je prends Doc ou castle une fois Doc ou Rook? Niveau vitesse et protection c'est la même chose hein, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes puissances. Du coup je vais prendre Doc je pense, histoire que ma santé soit un peu plus haute. Ça pourrait être pas mal. Et allez go, c'est parti. Aux pompes une fois encore. Quoique. Non, j'ai repris Rook, hein, parce que donc ma santé à 120% c'est bien, mais si je peux avoir un gilet pare-balles, ça marche aussi. Et c'est surtout les grenades qui m'ont fait flancher puisque avant si j'avais lancé la grenade plus vite il serait peut-être mort. J'essaierai de m'y habituer puisque j'ai pas l'habitude du rook avec des grenades, c'est nouveau ça aussi. Ah bon, s'il y a des gilets, c'est pour les prendre, hein, je précise. Ok. Si quelqu'un a une explication pour ces trucs là aussi, parce que je n'ai jamais compris pourquoi le lever ça bloquait le mur. Est-ce que je peux partir s'il vous plaît non, parce que... Ah bah non, en fait je vais peut-être pas partir par ici. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Et apparemment, ouais, il y a un putain de Twitch. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est son Twitch. Il y a un Twitch. Il y a un putain de Twitch, putain. Et il m'a déjà baisé la moitié de ma santé quand même. Hein. Rien que ça. C'est quoi? Je vais me barrer. Je m'en bats les couilles de son Twitch, moi je me barre. Parce que là, sinon, je vais en prendre plein la gueule. Et c'est pas mon but. Ah, là, par contre, il y a quelqu'un. Enfin, il y a personne. Alors, en fait, on est coincé. Ah non, d'accord, j'ai rien dit. Ouais, bah, je vais passer par tout en haut puisque. C'est par là que je suis arrivé avant, donc je sais à peu près par où pourraient venir les ennemis. Bon, s'ils arrivent par le mur, je suis enculé. Mais on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Ok, ça brise des fenêtres comme ça, il y a des caïds dans la cité apparemment. Ça brise des caméras, non mais on les arrête plus ces raptors à ce que je vois. Oui, c'est une référence. Tout. Oh, le bouclier qui passe là. Oh, toi t'es mignon toi mon frère. Mais je vais venir te pécho par derrière parce que les boucliers c'est assez chiant à tuer. Donc si je passe par derrière peut-être que j'ai une chance de l'épingler. Ah oui par contre ça vient derrière là. J'ai l'impression que ça vient à peu près d'ici donc Ah bah apparemment il est venu d'ici je pense. Il y a des chances qu'il soit... Enfin oui en fait je cherche par où est rentré l'ennemi d'avant. Ça peut me donner parfois certaines indications sur là où peuvent rentrer d'autres. Ah oui non mais alors ça non. Voilà j'ai été repéré parce que j'étais dans une zone ennemie. Donc les zones ennemies pendant un petit instant voyez où j'étais exactement. Ah l'objectif est contesté, il va falloir remonter très vite. Évidemment quand on ne connaît pas la map c'est moins facile. Je vois, je fais le tour. On va lancer une petite grenade comme ça au hasard. Parce que j'aime bien. Parce qu'en fait j'ai peur qu'il tue le dernier ennemi avant que j'ai le temps de remonter. Du coup je lance une petite grenade comme ça pour faire plaisir. Bah voilà, qu'est-ce que je lui disais, ça veut dire. Ah non, c'était lui le dernier ennemi, merde. J'aurais dû monter plus vite, voilà, si je serais monté plus vite j'aurais pu le tuer. Et là ça m'emmerde, parce que là on me voit arriver et faire de la merde. Bon, eh bien j'avais tort, on fait une petite victoire parfaite, on s'attendait peut-être pas à ça. Du coup la vidéo n'est pas aussi longue que j'en avais peur. Anna Mason est la meilleure, hein, évidemment, ça c'est normal. Ouais, 6 kills 0 mort hein, quand même, c'est respectable dans une partie classée. Voilà, bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo, puisqu'elle s'est déroulée plus vite que prévu, ça tombe bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo sur un autre jeu. Ciao tout le monde !